Moi, je suis arrivée à la mission locale un peu par hasard. J'étais salariée en CDD à la DAPEI du Doubs en tant qu'éducatrice spécialisée. Et en fait, je suis allée à la mission locale pour avoir des infos sur des propositions de poste qui pourraient m'intéresser. Et c'est comme ça, du coup, que mon parcours à la mission locale a commencé. On m'a donc informé qu'il y avait un recrutement au niveau de la communauté de communes Doubs-Aumois par rapport à un poste d'animateur jeunesse. Et du coup, c'est comme ça que mon parcours s'est fait à la mission locale. Alors, mon intégration à la communauté de communes Doubs-Aumois s'est très bien passée. Je me suis vraiment sentie bien accueillie. J'ai senti la confiance de mes responsables hiérarchiques, donc c'est quelque chose de très important. Alors, sur mon poste de travail, c'est un poste... Il y a plein de domaines différents. À la base, enfin voilà, le lien avec les jeunes, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir une ouverture comme ça devant soi et d'avoir en quelque sorte tout à construire. Bah, l'intégration d'Aurélie se passe très bien au sein de notre collectivité, hein, la communauté de communes Doubs-Aumois. Bah, voilà, elle démarre son poste d'animatrice jeunesse, ça se met en place tout doucement. Elle a démarré des animations au lycée professionnel à Baume-les-Dames et puis bientôt au collège. avec prochainement donc l'ouverture d'un point information jeunesse sur Baume-les-Dames. Alors, nos liens avec la mission locale sont importants. On a des liens de travail, surtout sur un diagnostic du territoire où la mission locale peut nous aider, sur des problématiques liées à la jeunesse. On se retrouve dans des groupes de travail, des comités de pilotage. Et puis, on a le lien, j'ai envie de dire, de professionnels. C'est vraiment une ressource pour nous pour trouver des professionnels. Et on utilise souvent des jeunes dont les CV nous sont parvenus par la mission locale, en service notamment de restauration, de périscolaire, et puis sur ce poste animation avec le service civique d'Aurélie.